Tous ici Sprelec, c'est bienvenue dans ce 54e épisode de Let's Play sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Alors, voyons un peu comment on grimpe là-dedans. On s'était arrêté ici. C'est là où qu'il faut aller, mais en passant par là. Voilà, en arrivant ici. Ah bien. C'est bien, mais t'es un peu lent, hein. Y aller. Il y a de l'ennemi, ça me paraît être un bon endroit où aller. D'ailleurs, en parlant de boomerang, je vais pas prendre mes grosses armes pour si peu. Quoi, on pouvait y aller par là direct? Non, mais si. Ok, bon. Ici, il y a une grille. Là, c'est l'autre côté. Là, on est derrière la grille. Là, une grille en haut. Pourtant, ça me paraissait si bien. Truc que j'arrive pas à voir. Pourtant, ça a l'air d'être là, hein. Ça a complètement l'air d'être là. Pourtant, ouais, je suis mis là, donc je glisse. Rien du tout. Plouf.
C'est là où je devrais aller, mais... Mais comment? Je vais tenter de passer par les rochers qui sont là. Peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, hein. Là ça va pas être possible, mais grimper là ça c'est tout à fait possible. Que dalle. J'arrive ici, le truc c'est serait d'aller là au milieu, hein, dans le... Vas-y, plouf. Ouais, rien du tout. Vite, 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 et je me noie. Ok. Par ici. Je pouvais grimper encore plus haut. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être ultra compliqué de grimper plus haut là. Ne me dites pas qu'il faut que je ramène toutes les planches pour faire un grand pont, hein. Ce serait abusé. Non, pour moi, ça a à voir avec ce... Avec ce tuyau-là. C'est pour ça qu'il est illuminé, d'ailleurs. Mais je... Je sais pas comment aller plus haut. Par là, il y a peut-être moyen que je monte là. Je vais tester les trucs, hein. Bah. D'accord. Ah ouais. Je t'emmerde pas. Gastrolyte de Cyrolike, de Cryolike, pardon. Bon ben, le bouclier va rester là. Bah tiens. Hop, un cristal d'Elusis.
Mais c'est tout. Mais bon, ça prouve que c'était peut-être un bon endroit pour chercher. Et pas qu'il me faut le costume de grenouille hein, pour pouvoir monter plus haut. Ça voudrait dire repartir et refaire... mais ça me paraît bizarre. Bon, j'y crois pas trop, mais dans le doute... Ça passera pas. Pas assez d'endurance. Et je glisse trop pour... J'avoue, je galère un peu. Je galère beaucoup même. Bon, bah, on va tricher. Pas tricher. C'est pas vraiment tricher, mais... On va le faire... Comme ça. Hein. Hop. Allez. On y va. Ouais, ça passe pas assez. Allez, je peux pas te prendre. Voilà. Et il fait plouf. Aïe aïe aïe. Bon bah je vais en faire un de l'autre côté hein. Ce sera plus... Alors voyons, regarde ici, je peux récupérer 2-3 planches là. Non. Huts.
écrit pour moi 5.0, ouais, c'est exactement ça. Donc en gros, je voudrais essayer de mettre une planche qui va jusqu'au grand trou. Et pour ça, il faut que je ramène en haut et c'est compliqué. Les planches, elles se laissent pas faire. Je suis con en fait. Attendez. Ouais. Ça va être trop compliqué. Je suis débile. Merde. C'est vrai que j'ai un pouvoir pour traverser les plafonds. Je l'oublie celui-là. Mais pourtant, je pense qu'il sera bien utile ici. Peut-être. Ah, si c'est ça, tant mieux, hein, mais ça m'aura fait galérer, hein. C'est ça. Ok. Une échelle. Un coffre ici. Opale brut. Très bien. Et donc c'est le temple de l'eau quand même, ou alors... Non, ça va être un TP vers le temple de l'eau. Maintenant, je vais pouvoir faire le saumon jusque là-haut.
préviens. C'est une cascade tombée du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé, Link? C'est toi qui as fait ça? Je vois, tu as activé un mystérieux mécanisme dans les ruines. Et la cascade est apparue. Ah, j'ai compris. Aux yeux d'un Zora, les cascades sont des passages reliant l'amont et l'aval. La voilà, notre passerelle d'eau. Pour monter jusqu'au ciel, il suffit de remonter cette cascade. Link, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Hein? Viens. Viens. Viens à moi. Encore cette voix. Comme si quelqu'un m'appelait, je me demande bien ce que ça peut être. Peu importe, cette passerelle s'offre à nous, faisons-lui honneur. Avec l'armure Zora, tu pourras remonter cette cascade sans problème, toi aussi. Allons-y, Link. Saumon, île des eaux jaillissantes. Oula, c'est quoi cette gravité là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je me sens tout léger. Quoi qu'il en soit, tâchons de rester concentrés. Il faut absolument trouver la source de la base. Séparons-nous, Link. Oh, ça va être avec des histoires de gravité, tout ça, oh purée. Ok. Allez, la bulle. Il y a du monde qui m'attend. Aïe. Aïe. Ça pique. Rien prévenu du tout, non. Ah.
Au moins, ça c'est fait. Bon, on va s'encrasser un peu. Hop. Purée. Alors, je peux peut-être sauter. Merde. Si je me trompe aussi, que je lâche le... Radimax, bien ça. Il augmente la puissance d'attaque en amalgame en plus. Ça peut être... Non. Bon, c'est bien, hein, je nettoie tout, mais... Ah, c'est là. Bêtement. Bingo. Sanctuaire, très bien. Hop. Et bien, on fera ça dans le prochain épisode.
puisque ça fait déjà une demi-heure. Ok, donc bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, avec le pouce en l'air, le commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et portez-vous bien. Allez, bye.